Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va attaquer le round 2 sur les amendements et les engrais. Donc cette fois, on va aborder plus spécifiquement les amendements. J'ai pas arrêté de vous en parler sur Instagram. Moi, j'utilise du bas de guano. Donc on va revenir après, c'est quoi le bas de guano et tout ça et pourquoi j'utilise. Donc en gros, les amendements, les fertilisants. Il y a plusieurs termes, amendement, fertilisant, voilà, il y en a, ils font les deux, c'est-à-dire ils sont amendement plus, sont amendement pur. Donc ceux-là, en fait, ils vont juste enrichir votre terreau et surtout apporter les éléments nécessaires à la plante pour qu'elle puisse fabriquer du NPK, fabriquer entre guillemets, je synthétise vachement, alors m'engueulez pas, hein, fabriquer du NPK pour ensuite être assimilable pour la plante. Donc en gros, il y a plein de micro-organismes qui vont fonctionner dedans grâce à votre amendement. Il y en a, c'est les deux. Donc, c'est-à-dire qu'ils font amendement plus NPK. C'est-à-dire qu'il y a des apports en plus d'azote, soit de phosphore, soit les deux, sur plusieurs types de libération. Donc lente, moyenne ou très très lente. Donc voilà. Mais jamais rapide. Alors ça, oubliez le rapide. Les amendements et les fertilisants, c'est tout sauf rapide. Donc, les résultats seront sur du long terme. Donc, c'est pour ça que moi, j'en mets dans mes pots. C'est pour un résultat sur le long terme. Qu'est-ce que ça améliore aussi? Ça améliore sa porosité, ça améliore son drainage. En fait, vous allez garder une qualité de substrat qui ne va pas se tasser, qui ne va pas se décomposer n'importe comment. Et surtout, vous allez conserver des micro-organismes qui vont être très bien pour faire vivre votre plante, en fait. Et un pH qui est adapté, tout ça. C'est pour ça que moi, j'adore amender. C'est pas une technique qui est très répandue dans la culture en pot. Sachez que c'est plutôt des techniques qui sont utilisées pour les jardiniers amateurs. Mais voilà, qui a été... j'en suis pas l'initiatrice, on va dire. Mais disons que voilà, je l'ai travaillé pour que ça fonctionne plus ou moins chez moi. Et donc du coup, voilà, donc, je vous en fais part de ce que moi je fais généralement. Et encore, je pense que je vous dis pas tout, parce que sinon, là déjà c'est une partie compliquée. Alors si je vous dis tout, je pense que vous êtes mort. Donc en gros, voilà, les amendements, il y en a de plusieurs types. Donc on va en reprendre, déjà on va voir comment ça fonctionne. Donc les amendements, déjà il y a des petits détails. Déjà il ne faut pas en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pourquoi il ne faut pas en mettre beaucoup? Vous devez l'amener au moment du rempotage. Donc, c'est-à-dire que si vous choisissez de mettre du bas de guano, essayez de suivre les consignes du fabricant. Alors moi je ne les suis pas. Voilà, je vous le dis, je ne les suis pas. J'en mets un petit peu plus. Pourquoi? Parce que tout simplement je lessive énormément mes terreaux. Et lorsque je lessive, je perds énormément de sel, de conductivité et tout ça. Donc je perds beaucoup d'éléments minéraux, et donc c'est pour ça que j'en mets un petit peu plus, parce que je lessive énormément. Mais ça c'est normal, c'est mes saisons qui font ça. Vous êtes pas forcément comme moi, c'est-à-dire vous lessivez pas tous les 2-3 jours, hein, clairement. Donc du coup vous pouvez suivre les consignes du fabricant, c'est-à-dire entre 2 et 3 grammes pour le bas de guano en amendement, c'est-à-dire vous allez rajouter à ça à votre terreau pour rempoter, ou dans votre mélange au moment du rempotage. Sachez que si vous en mettez trop de l'amendement, n'importe quel amendement, surtout des sources d'azote, vous risquez de brûler les racines. Donc, c'est-à-dire que vous allez en fait amorcer ce qu'on appelle le processus de compostage. Alors là, on va rentrer un petit peu dans les trucs chiants. Le processus de compostage, il y en a beaucoup qui vont savoir ce que c'est si vous faites du compost. Donc, c'est-à-dire que c'est le rapport entre l'azote et le carbone. Je ne vais pas rentrer non plus dans les trucs compliqués. Mais en gros, le processus de compostage, c'est qu'il faut une certaine quantité d'azote pour que le carbone puisse se dégrader, en gros. Et donc, du coup, au lieu de donner de l'azote à votre plante, qu'est-ce que vous allez faire si vous mettez trop d'amendements? Et ben ça va être le contraire, c'est-à-dire que l'azote, il va être gardé pour le terreau pour faire son compostage, en gros. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que vous pouvez avoir des soucis sur l'amendement, mais sans le savoir. Donc ça, j'aborderai vraiment de façon très particulière lorsque j'en parlerai de ces composts et comment on fabrique son compost et c'est quoi ce rapport carbone-azote. En gros, il y a aussi d'autres choses qui font que les amendements ne fonctionnent pas ou fonctionnent. C'est sur la conductivité. Donc la conductivité, je vous l'ai abordé dans pH et conductivité. C'est pour ça que je vous ai abordé ça bien plus tôt. Hein. C'est pour que vous puissiez comprendre ce qui suit. Sur la conductivité, en fait, c'est pas bon pour les bébés. Les bébés plantes, ils aiment pas la conductivité élevée. Je vous ai dit, c'est entre 0,5 et 0,3 max. Là, vous verrez souvent sous les paquets de terreau, 40, 50, tout ça, c'est pas bon. Conductivité trop élevée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup de sel, c'est-à-dire vraiment des minéraux qui s'accumulent au
autour des racines et donc du coup ça va pas favoriser leur croissance, au contraire ça va plutôt gêner les racines des plantes et les empêcher de pousser correctement. Donc c'est pour ça généralement on utilise des substrats pauvres en conductivité lorsqu'on veut faire du semis ou lorsqu'on veut des bébés plantes et qui du bouturage par exemple de tronc et tout ça, vous devez utiliser une conductivité très faible. Restez dessus, conductivité faible pour les boutures de tronc, pour les boutures pour les graines, tout ce que vous voulez. C'est un tips que je vous donne, vraiment une conductivité très faible. Sinon vous le lessivez en fait. Ce que ça peut faire en fait, ça va gêner la croissance de la plante et ça va endommager vraiment les racines. Vous allez voir, les bébés ils vont sortir, ils vont cramer dès qu'ils seront dehors. Donc du coup conductivité très très faible. À la rigueur, mélanger du terreau à semis, vous verrez les terreaux à semis ils sont très très faibles en conductivité. Donc restez-y dessus si vous êtes dans du bouturage de tronc et que vous voulez le faire en terreau. Ensuite, deuxième indice pour que ça fonctionne, les amendements, c'est le chaud. Les amendements fonctionnent pour initier le processus des micro-organismes, pour que ça fonctionne, en gros, pour qu'ils commencent à faire leur taf dedans. Vous devez leur fournir du chaud. C'est pas pour rien qu'on utilise des tables de culture, qu'on fait ça au printemps ou en été. C'est tout simplement parce qu'il leur faut de la température pour que ça fonctionne. Donc, en gros, voilà, c'est les deux éléments importants pour réussir votre amendement. C'est pas de conductivité trop forte pour le terreau si vous devez le mélanger à un terreau. Et surtout, si c'est des bébés, donc ça, je vous parle pas des plantes installées et grosses. Donc si c'est des grosses plantes, mettez-y votre terreau avec une conductivité élevée. Mais si c'est des bébés et que vous voulez mettre en plus de l'amendement, mettez une conductivité faible du terreau. Ensuite, le chaud, donc c'est-à-dire que si vous voulez lancer le processus d'amendement pour que ça fonctionne, eh ben, il faut du chaud. Voilà, c'est vraiment le petit tips pour que votre amendement se mette en route. C'est pour l'amorcer, c'est pour le faire démarrer. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, en gros, votre amendement, ben, il sert à rien, quoi, en gros. Parce qu'il y a tout un petit... il y a des chaînes qui s'enclenchent au moment où vous le mélangez au terreau. Vous commencez à l'hydrater et où vous commencez... parce que c'est au contact de l'eau et du chaud que ça se met en route, en gros. Donc voilà, ça c'est pour les processus d'amendement. Les amendements, il y en a beaucoup. Donc là, je vais reprendre un petit peu. En gros, j'ai préparé une petite liste des amendements et tout ça. Donc déjà, le petit détail des amendements, c'est que c'est du long terme, ça reste de l'organique. Donc du coup, c'est du très long terme. C'est pour ça que moi, je vous fais coupler à du NPK. Souvent, je vous dis, achetez quand même votre smocote, achetez vos engrais, qu'ils soient organiques ou chimiques, c'est pas grave, on s'en cogne. Mais il vous faut du NPK parce que le temps que votre amendement fonctionne, vous aurez pas de NPK, il y en aura pas tout de suite. Donc du coup, si vous voulez faire des apports rapide, amener du NPK qui soit sous forme. Alors si vous faites de l'amendement organique et du NPK organique, ça va être encore plus long, d'accord ? Faites-vous une raison si vous restez dans l'organique. Si vous voulez faire du chimique, donc c'est-à-dire que si vous faites de l'amendement organique et de l'engrais chimique, vous pouvez tout à fait le faire. Moi, c'est ce que je fais de l'osmocote. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des apports de NPK très très rapidement parce que c'est du chimique. Et par contre, voilà, vous en ferez beaucoup moins, contrairement à l'organique, où il faut faire des apports très réguliers, une à deux semaines. C'est-à-dire, c'est entre 1 et 15 jours pour tout ce qui est apport en engrais organique. Vous le verrez, les NPK sont très très faibles sur les organiques. C'est 3, 5, 2, 4, 5, 6. Ça dépend de ce que vous voulez donner, azote, phosphore ou potassium, quoi. Donc du coup, voilà, donc à vous de choisir le combo que vous souhaitez. Mais voilà, c'est des combos, en gros. C'est amendement plus NPK en plus pour être réellement efficace dans la culture en pot. Ensuite, pour les améliorations et les amendements biologiques, vous en avez de différents types pour les amendements. Donc, c'est-à-dire que vous avez les amendements qui vont amener beaucoup d'azote, ceux qui vont amener beaucoup de phosphore et ceux qui vont amener beaucoup de potassium. Ensuite, il y a toute la partie pH, donc c'est-à-dire ceux qui vont tamponner ou qui vont acidifier votre terreau. Il y a des sources de magnésium, il y a des sources de calcium, je vais vous les donner. Donc en gros, c'est comme ça que vous pouvez jouer sur les substrats. C'est des données qui sont très difficiles à comprendre, je peux le concevoir. Ça vous demande un certain exercice au niveau du cerveau
pour essayer de compenser les lacunes d'un substrat par rapport à l'autre. Mais c'est pour ça que faire ces mix, c'est compliqué parce qu'on ne pense pas à tout. C'est-à-dire que si vous pensez à mettre du pain, je vous l'ai dit, si vous voulez mettre du pain, c'est de l'écorce qui est déjà compostée. Le problème du pain, c'est que ça fixe l'azote. Donc du coup, vous devez limiter la quantité à 20% sur votre mélange et faire attention si vous mettez de l'osmocote dedans. Parce que l'osmocote qui délivre son azote au moment de l'arrosage, et ben l'azote peut être fixé par le pain. Donc voilà, c'est des petits trucs que je vous donne parce qu'il y a encore beaucoup plus de choses derrière. Mais en gros, voilà, je n'ai pas envie de vous embrouiller plus l'esprit. Là déjà, rien que ce petit détail, je pense que vous avez compris pourquoi moi je passe plus sur le coco plutôt que sur l'azote. En gros, voilà. Donc on va reprendre les sources d'amendement. Donc voilà, je vous en présentais quelques-uns que je possède, que j'utilise en jardin, dans mon jardin, mais jamais en pot. Et pourquoi le bas de guano en pot? Donc là, je vais vous présenter le premier truc. Donc c'est une marque, je suis d'accord. Mais par contre, ça ne veut pas dire prenez-la. Ça veut dire que je l'utilise, moi, pour une certaine raison. Donc ça, c'est un truc que j'utilise uniquement pour amener de l'azote dans mon jardin. C'est-à-dire que c'est un truc qui est sous forme de granulé. Voilà, c'est souvent sous forme de granulé. Comme ça, vous verrez, c'est un petit peu dégueu, mais je suis désolée, on peut pas faire mieux. Voilà, c'est des granulés qui se décomposent au moment de l'arrosage, et donc en gros, ces granulés vont libérer de l'azote de façon très très lente, enrichir votre terreau, se transformer en humus, on va dire, et rendre votre terreau très très riche. C'est ça un amendement, et surtout empêcher votre terreau de se tasser, de se décomposer de façon dégueulasse. Donc voilà, moi j'utilise celui-ci. Ça, je l'utilise uniquement en extérieur. Sur la culture en pot, j'ai eu des abonnés qui m'ont dit qu'ils l'utilisent aussi, mais très très peu. Alors je peux pas vous faire de retour, je l'ai pas utilisé en pot parce que moi je reste sur mon bas de guano. Mais si vous devez en mettre en pot, ils m'ont dit que ça marchait très bien, mais qu'ils en mettaient genre 3-4 granulés, pas plus, sur des pots de 10 en gros, hein. Donc c'est à dire que vous mettez sur un sac comme ça, vous mettez ça quoi à peine, hein. C'est 3-4 granulés comme ça que vous mettez dedans, et ça fera votre amendement. Et ça, c'est une source d'azote, par contre. On est sur de l'azote. C'est écrit derrière, de toute façon, c'est source d'azote. Donc, en gros, amendement type azote. Pour d'autres trucs, j'en ai un autre. Alors, lui, il est carrément dégueulasse. Ah. Donc, ça, c'est pour mes potagers. Hein. Je vous l'ai dit, je faisais du potager aussi de temps en temps. Donc, ça, c'est du caca de poule. On est sur de l'amendement engrais. Donc, là, il y a les deux. Il y a engrais plus amendement associé. Et on est pareil sur des granulés. Et donc, ça, voilà. Ça sent mauvais en plus, c'est horrible. Donc, voilà, on est sur du granulé. Donc, ça aussi, si vous voulez jouer sur du caca de poule, vous pouvez le faire. Sauf que là, la conductivité, elle est très, très forte. Donc, pas sur les boutures, pas sur les bébés. Oh, ça double. Pas sur les bébés plantes. En gros, vraiment, très, très faible quantité. Le caca de poule a une conductivité très, très, très forte, comme le caca de lapin. Enfin, bref. Et donc, du coup, ça abîme vraiment les bébés plantes. Si c'est sur des grosses plantes déjà installées, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire, mais pareil, 3-4 granulés, pas plus. C'est-à-dire que si vous avez un potager, vous pouvez très bien les utiliser sur les cultures en pot en intérieur, il n'y a pas de problème. Bon, il y a l'inconvénient de l'odeur, mais voilà, si vous êtes sur de l'organique, donc du coup, voilà, dites-vous, voilà, je fais un geste pour la planète, j'utilise de l'organique, ça sent mauvais pendant quelques jours, mais vous avez fait un super geste. Donc du coup, voilà, c'est désagréable pendant quelques jours, c'est le temps que ça se décompose, mais ensuite ça disparaît. Fumier de cheval, c'est pareil. C'est de l'amendement pareil, vous pouvez l'utiliser aussi, mais en très 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 faible quantité, jamais des très grosses quantités, c'est vraiment réservé pour les trucs extérieurs, ces trucs. Donc, du coup, voilà, sur les cultures en pot, réduisez-les à que dalle. Donc voilà, donc pour les apports en azote, vous avez le caca de volaille, le caca de plume, le farine de sang, farine de poisson, farine de soja, farine de luzerne, farine de crabe, farine de... Non, je vous rigole pas. Hein. Farine de crabe, farine de homard. Et tout ça, ce sont des types de libération qui sont plutôt de lentes, moyennes, avec un certain pourcentage. Donc le pourcentage, c'est à vous de voir si vous voulez en amener beaucoup ou très peu. Et ça dépend de la consommation de la plante et de sa taille. Sachez que plus elle est grosse, plus elle est
ma star, au niveau de ses racines, plus elle aura une consommation importante. Donc regardez les pourcentages en fonction de la plante que vous voulez mettre dessus. Mais ne restez pas statique sur les amendements. C'est-à-dire que vous devez vous adapter à votre plante. Si vous avez une grosse plante, faites des apports riches en amendements. Ne restez pas sur du truc de clochard, en gros. Ensuite, pour les apports en phosphore, et c'est là où je veux en venir à mon bas de guano. Sur les apports de phosphore, vous avez le bas de guano, vous avez les farines de poisson, vous avez aussi les farines d'os qui peuvent le faire, puisqu'on est sur deux types d'apports. Donc les farines d'os, donc moi, celui-ci, c'est de la corne broyée. Donc, ça se présente comme ça, donc là, vous le voyez. La corne broyée, moi, je l'utilise dans mon jardin. C'est aussi un apport d'azote. Hein. Il y a une très grosse concentration d'azote. Celui-ci, c'est beaucoup plus de l'azote. Mais vous avez de la corne broyée aussi qui fonctionne en tant que phosphore. Donc, du coup, voilà. Moi, j'aime le bas de guano. Donc, c'est celui-ci que j'utilise. Mais vous avez celui de Plagon. Vous en avez plein des marques. Hein. Moi, je vous donne celui-ci parce que j'ai accès à celui-ci où j'ai le bas de guano de chez Plagon aussi. Voilà, moi, c'est le guano pro. J'utilise celui-ci. Pourquoi je l'aime bien? Tout simplement parce que c'est un apport de phosphore. Pourquoi? Parce que mon os pocote, il est pas très riche en phosphore. Et je vous l'ai dit, les aracées, c'est du NPK de type universel. Donc, c'est-à-dire à apport... Merde, j'ai perdu le terme. Donc, c'est-à-dire équilibré. C'est-à-dire le même apport en azote et en phosphore. Ça doit être quasi kiff-kiff. Donc, du coup, comme mon NPK, et vous l'avez vu avec votre osmocote, vous avez toujours des apports irréguliers. Donc, toujours très fort en azote, très pauvre en phosphore, ou sinon très fort en potassium. Donc, vous verrez votre NPK où il y aura des chiffres complètement à côté de leur plaque. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous avais dit, moi, j'amène du bas de guano, parce que le bas de guano, il est riche en phosphore. Et c'est pour ça que ça va compenser mon osmocote. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous invite, moi, à faire un petit peu ce que moi, je fais. Donc, c'est-à-dire, si vous ne voulez pas rentrer dans le « je réfléchis, je fais un truc compliqué », moi, ce que je fais, c'est que je mélange mon bas de guano au moment du rempotage et je mets mon osmocote dedans qui est de 19, 9, 10. Donc voilà, il est très élevé. Vous pouvez taper dans les autres, donc c'est-à-dire le 17, 6, je ne sais pas quoi, de fertiligène. Si vous avez mis du bas de guano dedans, les apports en phosphore, c'est votre bas de guano qui va le faire généralement. Si vous observez des signes de carence de phosphore, donc c'est-à-dire des feuilles plus petites, des problèmes d'immunité, des racines qui ont du mal à se développer, ça peut être lié à des problèmes de phosphore parce que votre osmocote, bah, il n'a pas forcément les apports suffisants. Vous avez des produits où il y a uniquement le phosphore qui vous intéresse. Vous pouvez l'ajouter dedans. Parce que le NPK Sala, ça vous demande un ajout rapide en fait. Vous ne pouvez pas faire que de l'amendement. Tout ce qui est organique, je vous l'ai dit, c'est lent. Donc du coup, le temps que ça agit, ça va prendre un certain temps. Donc c'est à vous de réfléchir par rapport à ça. Je ne peux pas non plus vous donner tout. Mais en gros, pour tout ce qui est, moi, mon fonctionnement sur les aracées, c'est amendement au bas de guano parce qu'il y a des gros apports de phosphore de type libération lente. Vous avez aussi tout ce qui est oiseaux de mer et tout ça. Sachez que c'est plutôt voilà, par rapport à des farines d'eau, on est beaucoup moins en phosphore. On est généralement entre 9 et 11 en phosphore. Libération moyenne. Et donc voilà, je fais amendement bas de guano. Je mets une cuillère à café pour 10, enfin un pot de 10 généralement. C'est pas grave, ça va pas niquer votre plante, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous allez mettre votre osmocote. Alors là, par contre, suivez les consignes du fabricant. Mettez, voilà, c'est peut-être même pas une cuillère à café pour un pot de 10. Hein. C'est pareil, hein, c'est vraiment très petit, vous en mettez très peu. C'est entre 3 et 6 mois de libération. Mais ça, c'est à vous de voir, c'est en fonction de votre lessivage et en fonction des températures. Plus vous avez des températures élevées et plus vous lessivez, plus la durée va être raccourcie. Donc voilà, ça c'est pour l'osmocote. Ensuite, pour les sources de potassium, on en a plein. On a le sulfate de potassium, tout simplement. On a la langobénite, qui est encore une autre molécule, on s'en fout, c'est pas forcément accessible. Les farines de varech, mais là c'est pareil. De varech, c'est le truc de lézard en gros. Mais ça c'est pareil, c'est pas forcément accessible. Je vous parle de trucs que vous n'allez pas avoir en fait. Et le green sand. Alors ça aussi, c'est utilisé pour les bonsaïs, je crois. Mais du coup, voilà, vous prenez pas la tête avec
le potassium, puisque généralement on s'en cogne pour les arracher, puisqu'on n'a pas envie de les faire fleurir. Par contre, si vous voulez faire fleurir vos plantes, parce que ce sont des plantes à fleurs, donc là vous devez forcer effectivement sur les sur le potassium. Et donc là vous allez faire des amendements plutôt riches en potassium, donc plutôt taper sur des amendements pas azotés mais riches en potassium, et faire des apports beaucoup plus importants en NPK avec du potassium. Donc voilà, c'est les petits trucs que je vous donne. Ensuite, on a les sources de calcium. Alors, les sources de calcium, à quoi ça sert? Tout simplement à monter votre pH. Alors, malheureusement, c'est ça le problème actuellement des terreaux, c'est que le pH est beaucoup trop élevé. Et c'est pour ça que je vous fais jouer avec la tourbe de Sphaigne, puisque le pH, tourbe de Sphaigne, généralement, il est de 4 à 5. Donc, du coup, lorsque vous faites vos mix, eh ben, vous êtes dans le bon, généralement, sur les plantes acidophiles, vous êtes sur le bon pH. Lorsque vous faites des terreaux, vous utilisez les terreaux de rempotage et tout ça, en fait, ce que vous vous achetez la plupart du temps, c'est tamponné à la chaux dolomite. Donc, c'est-à-dire que la chaux dolomite est une source de calcium. Et donc, c'est pour ça que vos pH, il est beaucoup plus élevé. Il est généralement à 6,5, 6,2, 6, il est au-dessus de 6 généralement parce qu'il est tamponné au calcium. Donc voilà, ça nous embête un petit peu quand même, faut le dire. Mais c'est pour ça que je vous ai fait le substrat rincé intermédiaire qui contient de la sphaigne et qui abaisse le pH naturellement de votre substrat. Et c'est pour ça que les plantes acidophiles comme les aracées s'y plaisent. Donc voilà, ça rejoint toutes les vidéos sur les mix et sur les amendements, les engrais et tout ça. Et vous avez maintenant les explications de pourquoi je vous fais mettre ça et pourquoi je vous fais faire plein de choses trop bizarre. Mais là maintenant ça, voilà, vous comprenez pourquoi je vous fais mettre de la sphaigne, pourquoi je vous fais faire ci, pourquoi je vous fais faire ça, tout simplement parce que voilà, moi-même je suis passée par là et que ça m'est mise en difficulté, que pour arriver à créer ces substrats, eh ben, il a fallu comprendre que ces substrats étaient tamponnés à la chaux, que c'était chiant pour les arracher et qu'il fallait acidifier les substrats, tout simplement, avec l'apport de sphaigne, ou simplement, si vous voulez zapper la sphaigne, passez à de la tourbe blonde directement, pas tamponnée, donc c'est-à-dire de la tourbe de sphaigne pure. Que vous allez, et je vous ferai une vidéo comment travailler la tourbe sphaigne pure, puisqu'il y a plein de petites techniques qui vont vous donner des petits trucs pour vous aider à mieux la travailler, à mieux la rendre plus facile, enfin à essayer de switcher tous ces inconvénients. Ensuite, sur les sources, merde, je me suis trompée. Bon, en gros, non, je me suis pas vraiment trompée. La chaux dolomite aussi, c'est une source de magnésium. En fait, j'avais mis sur mes deux parties, source de calcium, magnésium. Donc, en gros, je vais aborder le magnésium maintenant. Et la chaux dolomite en fait partie et ça augmente votre pH. T'es la meuf, quoi. Ensuite, en source de magnésium, vous avez aussi un truc qui fonctionne très, très bien. Ça, je vous en ai jamais parlé. Tout simplement parce que ça me semble compliqué pour se le procurer. Mais maintenant, je peux vous en parler. Mais bon, voilà, c'est vraiment sous forme de granulé blanc. Vous allez le trouver dans les trucs bio, en gros. Le sel d'Epsom, vous pouvez l'utiliser au rempotage. Alors, oui, c'est un petit truc que je vous donne en plus. Lorsque vous voulez rempoter vos plantes et que vous voulez stabiliser votre pH, donc c'est-à-dire que vous savez d'emblée que votre pH, il est bon, vous pouvez le stabiliser au sel d'Epsom. Donc, c'est-à-dire, mais attention, hein, votre sel d'Epsom, ce qui se passe, c'est qu'au lessivage, il s'en va. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut en remettre. Hein, donc, voilà. Le sel d'Epsom, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il... c'est une source de magnésium qui conserve le pH inchangé. En gros, ça veut dire que votre pH, il ne bouge pas. Parce que, justement, avec toutes les variations, j'amène de l'eau calcaire, le sel d'Epsom, en fait, il va empêcher tout ça. C'est-à-dire qu'il va tamponner un petit peu tout votre truc et il va garder la qualité de votre pH inchangé. C'est pour ça que lorsqu'on rempote, ceux vraiment qui maîtrisent les rempotages, vraiment qui maîtrisent et qui rempotent, attirent l'arigot, et encore, je ne suis pas sûre que tout le monde le sache, vous mettez du sel d'Epsom dedans. C'est vraiment très peu, hein, très très peu. Vous en mettez... même pas une cuillère à café, pour stabiliser votre pH. On est plus dans la stabilisation. Donc, c'est-à-dire que là, si vous avez connaissance que votre pH est bon, mettez-y des sels d'Epsom dans votre terreau de rempotage et rempotez-les dedans. Je sais que vous êtes en plein dans le rempotage, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en ai jamais parlé avant, tout simplement, parce que c'est vraiment des petits tips. Voilà, je ne sais pas si on peut le démocratiser ou pas, mais en gros, maintenant, voilà, je vous en parle.
Donc en gros, voilà, pour vous verrez pas forcément les effets tout de suite, c'est des effets sur du long terme. Mais moi, clairement, je vois la différence lorsque j'en mets ou que j'en mets pas lorsque je rempote. Ensuite, on a tous les additifs qui sont bons. Donc là, les petits additifs, il y en a une tonne. C'est des petits trucs brevetés ou non, là, qu'on peut mettre ou pas dans les terreaux. On a par exemple les agents mouillants. Les agents mouillants, vous allez le voir dans les petites étiquettes des terreaux, agents mouillants ou pas. Alors, on les ajoute souvent lorsque c'est de la tourbe de Sphaigne. Parce que je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, la tourbe de Sphaigne, elle se compacte au moment où elle sèche. C'est chiant pour la décompacter. Donc du coup, certains, ils ajoutent des agents mouillants. Les agents mouillants, c'est généralement à base d'extrait de yucca. Oui, le yucca, là, qui empêche en fait la plante qui empêche, on va dire, le substrat de se compacter comme un bloc et devenir du parpaing, parce que vraiment ça devient un parpaing. Donc du coup, c'est très difficile à remouiller. Donc du coup, ils remettent des additifs dedans pour éviter cet effet complètement chiant. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Ensuite, vous pouvez ajouter des champignons super sympas. Alors, il en contient, par exemple, dans celui-ci, il y en a. Il y a des additifs qui sont de type mycorhize. Ces champignons, c'est des gentils, donc c'est-à-dire qu'ils vont amorcer le processus des micro-organismes qui vont amorcer, on va dire, l'enchaînement de ce que, dont je vous parle tout le temps. Donc c'est-à-dire, voilà, je fabrique ci, je fabrique ça, et j'en arrive au NPK, donc c'est-à-dire azote, phosphate, potassium, pour être assimilable à la plante, et surtout ça va la protéger de certaines maladies. Les champignons font ça, donc vous en avez plusieurs. Alors il y a une de mes abonnées qui m'a dit qu'effectivement elle en mettait sur des substrats et tout ça, ça marchait très très bien. Alors moi je l'utilise pas, je sais que j'en ai là-dedans, donc je sais que ça fonctionne, c'est des mycorhizes là-dedans, donc il me semble. Hein. Composé de micro-organismes spontanés issus de la technologie Marcel Mézy. Donc voilà, ils disent pas, mais je sais qu'il y en a. En gros, voilà, les champignons, ça marche très bien. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo dessus. Parce que je sais que ça fonctionne, en gros. Ensuite, comme autre additif, vous avez les thés de compost. Alors, vous pouvez utiliser les thés de compost. Ça marche très, très, très bien. Tout simplement parce que... en fait, qu'est-ce que ça fait? Bon, je crois que ça amène des oligo-éléments, et surtout, en fait, ça modifie pas du tout le pH. Ça, c'est une certitude, ça ne modifie pas le pH, mais surtout, ça amène des micro-organismes qui vont induire, en fait, ce processus, un peu comme les champignons et tout ça. Ça fait marcher, en fait, votre terreau. Donc, du coup, voilà, c'est des petits additifs super sympas. Ça veut pas dire mettez vos sachets de thé dégueulasses hein, dedans. Voilà, ça ne marchera pas. Il faut du thé de type plutôt bio, que vous avez composté vous-même. Donc, c'est pour ça que je pense que cette vidéo sur le compost va vous intéresser, parce que ça va vous permettre de créer votre propre amendement avec le thé cette fois. Donc du coup, voilà, j'espère bien arriver un jour à faire cette vidéo, mais il faut que j'aborde tous les trucs avant que vous puissiez aborder, je fais vraiment par chaîne, hein, que vous puissiez faire votre, si on en arrive à faire nous-mêmes les amendements à base de thé, c'est que vraiment là, chapeau, 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 j'aurais réussi à faire quelque chose de cette chaîne et de mon Instagram. vraiment arriver à faire de l'amendement chez soi efficace, 100% naturel, ça va être vraiment le top. Donc en gros, voilà, j'espère bien vous amener à arriver à faire ça grâce avec votre thé, je vous dirai quoi choisir comme thé, comment le faire sécher, comment l'utiliser, comment ensuite le composter et avec quoi le composter et quoi rajouter dedans pour le composter efficacement. Mais en gros, voilà, le but c'est ça, c'est fabriquer vous-même vos petits trucs do it yourself et des trucs qui marchent. Donc voilà, je pense que j'ai fait un énorme tour sur tous les amendements, les machins. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu expliqué ce que je faisais et comment je fonctionnais. Ensuite, on va repartir sur les engrais cette fois de type osmocote et tout ça. Je sais que vous galérez à trouver l'osmocote. Si vous ne souhaitez pas amender votre tube, votre terreau, vous pouvez apporter de l'NPK directement, mais sachez que votre terreau va s'appauvrir très vite. Donc c'est pour ça que je vous recommande l'amendement. Mais si vous ne voulez pas amener de l'amendement, je peux tout à fait le concevoir. Et je vous recommande cette fois d'utiliser de l'osmocote universel. Donc c'est-à-dire des engrais universels. C'est-à-dire équilibré, équilibré, équilibré. C'est-à-dire pas de variation de votre truc. Les aracées, c'est vraiment ça. C'est vraiment équilibré.
Ce sont aussi des plantes à fleurs. Elles consomment énormément d'azote parce qu'elles poussent et elles ont besoin d'être énormément protégées. Et amorcer l'azote, vous avez besoin de phosphore. C'est pour ça que c'est équilibré. En gros, je vous montre ce qu'il faut utiliser. C'est l'engrais bleu. Donc là, on est à l'envers, mais en gros, on est sur du 12, 12, 17 avec plus 2. Plus 2, c'est ça. 12, 12, 17. Donc, et il contient les oligo-éléments. Donc, c'est-à-dire qu'il est complet, complet de chez complet. C'est un énorme format. Donc, du coup, vous en avez pour votre argent. C'est génial. Vous n'allez pas tout brûler. C'est vraiment. C'est pas tout à fait de l'osmocote, mais c'est aussi à libération lente. Il n'y a pas la petite capsule hydrosoluble, vous en mettez très très peu, genre 4, une dizaine de granulés, pas plus, et ça suffit. Moi j'utilise pour mon herbe, pour mon gazon, mais je sais qu'il marche très très bien, il est énormément complet. Et ça, c'est de l'engrais bleu, hein. C'est de l'engrais bleu, c'est ce que les jardiniers utilisent. Donc du coup, vous pouvez très bien l'utiliser. Vous pouvez hacker des trucs de jardinier, les utiliser pour la plante, les plantes en pot. Sachez voilà que pour la culture des plantes en pot, les quantités, vous allez juste les diminuer à que dalle. Puisque sinon, vous allez tout cramer. Voilà, c'est tout. C'était une vidéo assez longue. Si vous avez des questions, rendez-vous sur Instagram, comme d'habitude. Je vous fais des énormes bisous. Je sais que je ne suis pas très régulière sur les réponses sur YouTube, j'en suis vraiment désolée. Mais vraiment, la pluie de MP sur Instagram, j'ai déjà du mal à répondre à tout ça. Voilà, je suis toute seule, hein. Je n'ai pas de jumelles pour répondre, ni une équipe de community manager pour répondre. Donc du coup, voilà, ça prend son temps, mais voilà, je vous réponds forcément si j'ai 5 minutes ou si j'arrive à me libérer du temps. Mais voilà. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.